Coucou, nous sommes dimanche. Je vous reprends, c'est le lendemain matin, on s'est couché hier à 1h30, presque 2h. On est allé faire notre petit déj, très sympa. Et là, en fait, on est. Je découvre, on est toujours dans la maison. C'est grand, il y a une petite clairière. Je pense que ce midi, on va manger là, on est allé faire des courses d'ailleurs. Et j'avais pas vu. Donc, c'est ça, c'est tout le jardin. Alors, déjà, ça, c'est le bout du jardin. Je pense que vraiment cet après-midi, en plus, regardez, bon, c'est assez mitigé le temps, mais on va aller voir l'océan quand même. Là, il y a une petite piscine. Je n'irai pas m'y aventurer. Hein. Je crois qu'on doit être sur 20 degrés hein, extérieur, donc j'imagine pas. Ça, je pense que ce sont des mirabelles. Et voilà, regardez. On retrouve le petit coin. C'est super étendu. Nous avons des biquettes qui nous attendent. Non, des chèvres. Et quand je dis qu'ils nous attendent, ça va... Non, mais c'est trop mignon, ça. Salut, toi. Bonjour. Tu veux passer dans le vlog? Ah non, n'aie pas peur. Oh, c'est poule party. Fais gaffe. Non, pas ça. Rien à Bonjour. Bonjour. T'as vu cette rue, hein? Ouais. Le moulin. Super joli. Il faut que je le prenne en photo. Et juste là, au fond, nous avons les vignes pour faire le cognac. Et j'ai appris que le cognac, donc c'est une double distillation. Et après, tu fais le pinot à partir du cognac. Je crois que c'est ça. S'il y a des spécialistes, vous pouvez me dire. Bon, bah apéro, je crois. Oh là là, le week-end de 3 jours qui va nous... Bonsoir. Bonsoir. C'est ici la pool party? Ah là, j'ai toute l'eau qui appartient. Est-ce que je peux avoir une poubelle bleue, jaune? Je vais sortir ça. Jaune. Coucou. Bon, bah, nous sommes 2 heures plus tard. Nous sommes à Royan, et il fait super beau. Le front de mer. Et là, je fais gaffe parce qu'il y a de la musique en permanence donc dans la ville, ce qui est plutôt sympathique. Mais pour le vlog, c'est moyen. Le front de mer, le port, on va... Là, on va acheter un petit suite parce que le soir, il caille vraiment quand on reste assez tardivement. Bon, bah, par contre, c'est port du masque obligatoire en bord de mer à Royan. Ah, peut-être parce que il y a comme des petits marchés, des ruelles, c'est possible. Ouais, on va quand même aller voir la mer parce que ce serait dommage. Et après, j'espère qu'on va aller manger une glace. Mais et je pense que par contre tu peux languer une fois que tu as la mer quand même. Parce que le but moi c'est de respirer. Non, les gens ne l'ont pas. Les gens ne l'ont pas. Parce que si tu pars respirer l'air marin, aucun intérêt là. Tu vois là, je compare avec les Sables d'Olonne, ça n'a rien à voir, c'est plus béton ici. Putain, je vois rien. Là, avec joie, ça se trouve, il n'y a rien du tout. Nous voilà à Saint-Palais-sur-Mer. Plus sauvage, on va aller vers la côte, c'est magnifique. Vraiment, on est tombé sur des coins, mais alors pour te garer, c'est intéressant. Là, on est un peu loin, on va marcher. Ce temps, je suis contente, je m'étais dit, ouais, laisse tomber pendant les 2-3 jours, on va avoir un temps dégueu, et qu'on a bien fait d'attendre et d'y aller aujourd'hui, parce qu'on repart quand même demain. Regardez ces maisons. Très jolie, petite cabane de pêcheurs. Vraiment, le côté sauvage, c'est autre chose. Je préfère être prudente pour la casquette parce que le soleil est vite arrivé. À l'hôtel, je me changeais, je ne vais pas rester avec cette robe. Franchement, c'était top. Il faisait super beau. Il doit être 20h. Il y avait déjà tout le monde là-bas. Donc, on va y aller. Lundi matin, la fenêtre est ouverte. Hein. Il y a des travaux. Je vous ai pas filmé hier soir. On a fait grosse soirée. C'était super sympa. Entre 1h30. Et c'est le jour du départ. Il pleut. Je peux vous dire que c'est là que tu te dis on a eu raison d'aller hier.
bord de la mer. Regardez ce temps, il y a encore. Ça s'est calmé par rapport à tout à l'heure. Eric est déjà descendu. Oh, la tête est descendue. Pour régler la taxe de séjour et les petits déj, parce qu'on avait déjà payé la chambre. On avait réservé à l'avance. Je vais fermer, ça fait quand même du bruit. Et on va chercher son fils qui est resté donc là-bas à la maison et puis on va filer tranquillement. Au début on avait dit est-ce qu'on va on aurait dû aller manger au resto avec les autres, puis bof quoi. Et qui me dit ouais on va reprendre la route après, je suis pas trop motivée, j'avoue que je suis pas super fin non plus. On s'est fait le petit déj à l'hôtel, c'était super sympa. Je pense que moi ça va me suffire. Nous sommes revenus. Vous l'avez deviné. Je vous ai épargné le retour en voiture, hein, qui a mis 4 heures. Donc 4 heures, c'est le trajet normal, alors que c'était 10 heures pour aller. Mais bon, on a quand même fait un gros détour en allant à l'aéroport, donc forcément. Et 3 heures de bouchon, qui était un peu compliqué. Donc nous voilà. Alors je suis dégoûtée parce que je pensais avoir filmé un petit peu durant cette dernière soirée, qui était un peu épique. Était encore un niveau au-dessus et j'ai pas dû appuyer sur play, hein, mais en même temps c'est peut-être pas plus mal, mais ouais, franchement 3 jours intenses. Vous avez vu en plus, bon, franchement c'était tellement bien d'avoir été au bon moment à la mer là, c'était super beau, je connaissais pas l'endroit, c'est très mignon et j'ai hâte d'y retourner, je pense l'année prochaine de la même façon, hein, genre 2-3 jours c'est top. L'hôtel nickel, rien à dire. Un séjour, je pense qu'il va laisser des traces quand même, parce que moi je suis plus habituée à faire la fête 3 jours de suite. Et forcément, à un moment donné, on va le payer. Mais bon, on a retrouvé qui? Voilà, Jackie qui est en train de manger. Par contre, il me l'a fait à l'envers. Il me réclame genre toutes les heures ou toutes les 2 heures, parce que c'est l'excitation de nous avoir retrouvés. Il essaye de me la faire. Bon, il était inutile de vous dire qu'il était vraiment content, même si ma maman s'en est hyper bien, hyper bien. Elle était même déçue. Elle me dit, ah bon, vous rentrez, j'avais prévu d'aller lui faire un petit coucou ce soir. J'ai dit, bah, tu peux venir, même si on est là. Et elle est venue. Elle est venue. Ben oui, on s'attache très vite à ce petit loustico. Nous sommes donc rentrés, comme je vous disais, avec son fils. Il a 14 ans, on m'a demandé. Et il va falloir qu'on fasse un bon plein. Je pense qu'on va faire ça cet après-midi de course. Ce serait quand même pratique plutôt que d'y aller un petit peu tous les jours. Je dois aller également à la poste. Je dois envoyer une petite chose. Ça sera fait. Et puis, contacter encore pas mal de personnes qui ont essayé de m'appeler pendant ce petit séjour. On va reprendre doucement les choses. Par contre, je suis un peu en décalé, il est 14h et j'ai pas mangé. C'est pas bien, surtout quand on a des problèmes à l'estomac. Pas bien du tout. Donc, je vais grignoter. Tu dis bonjour ? Oh là, il est bien élevé ce chat. Hein ? C'est bien occupé de toi, mamie, j'ai l'impression. Oui. Oh. Très soft ce midi. Quinoa, poulet, olive. Un petit chaud au ralenti. Machine, il y a de quoi laver. Et ouais, box. Nous sommes le 4 et vous avez jusqu'au 10 pour commander. Putain, je l'aime trop. La box d'août, je le dis, parce qu'après, il ne faudra pas venir vous plaindre. Oh, je la voulais, c'est trop tard. Voilà. Obligée de mettre le plafonnier tellement. Il fait sombre. Je pars mettre le petit colis là que je vous ai dit, faire les courses. Je vais pas aller faire un plein comme prévu. On fera le plein demain. On se pose. Je vais juste prendre de quoi pour manger ce soir. Et puis, ouais, ça sera très très bien. Il fait un temps. J'ai sorti, je crois en Bretagne, j'ai sorti la petite parka. Non, c'est pas une parka, c'est un coupe-vent. Ça va être soirée pizza. Je vais prendre des petites pizzas soirée gelée. Et après, j'ai passé chez Marie Blacher leur prendre un goûter, les 3h30. Je voulais prendre des surgelés, pizzas surgelées, mais en fait, chez Marie Blacher, je sais qu'ils en font des XXL qui sont pas mal, mais c'est 3h30. Elle est partie demander. Vous voyez, elles sont comme ça. Je suis encore pris une saucée en sortant. J'ai pas compris parce qu'elle m'a fait les deux pizzas, donc j'ai demandé une chèvre. Miel, et l'autre c'est une royale, et à la fin elle me dit oui, normalement j'ai pas le droit de la faire, on l'a arrêté ce matin, et j'ai pas compris. J'espère que c'est pas parce que les ingrédients sont plus bons. Alors, ouh, c'est zoomé de fou ça. Attendez, hop, j'ai pris du pain de poulet, des frites de patates douces, qu'est-ce que c'est bon, et les fameuses, je les ai scannées Yuka, c'est marqué bon. C'est vrai qu'il n'y a pas d'additifs, il y a pas de, c'est pas trop sucré. Pour le goûter, donc je leur avais demandé ce qu'ils voulaient, du flan.
Et moi, je me suis pris la petite tartelette, ça me donnait envie. Clafoutis, original. XXL. Ah oui, dis donc, elle est bien chauffée. C'est bon quand même. On va se quitter là-dessus. Je vais les appeler pour goûter les 4 heures. Franchement, c'est vrai que des vlogs comme ça, où tu bouges, tu voyages, tu découvres des choses, c'est quand même plus top. Même moi, j'ai apprécié de filmer, de découvrir et de faire le montage. Mais c'est pas pour ça que je vais arrêter de vlogger. Et évidemment, bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Ces 2 petits jours, même si ce vlog a été coupé en 2 hein, avec le retour. Je vous fais un gros bisou et évidemment, on se retrouve très vite. Ciao.